Tu as pris ton temps pour te matérialiser, Alphéa. Zera, qu'es-tu devenue ? As-tu renoncé au code des sorcières ? Ferme-la, tu n'es qu'une relique du passé. Tu es corrompue, regarde-toi ! Donne-moi le reste de tes pouvoirs et disparais. Je n'ai plus besoin de toi. Tu es de la lignée des plus puissantes sorcières Liwa. Zera, tu es plus forte que ça, tu es la fille d'Elindra. Comment as-tu pu te laisser contrôler aussi facilement ? Ne parle pas comme si tu savais ce qui s'est passé. Zegrod m'a ouvert les yeux. Les humains ne sont que des déchets. Ils ne méritent pas de vivre. Être sous contrôle d'un être surpuissant comme Zegrod, ce n'est que de la pitié. Tu dois renoncer à cette folie. N'utilise pas tes pouvoirs comme ça. Ta mère aurait tellement honte. Elle n'est pas là pour le voir, n'est-ce pas ? Alors arrête de me rabâcher ces conneries. Je sens un conflit intérieur. Je sais que tu es en train de te battre pour gagner le contrôle. Ne laisse pas tomber. Tu peux y arriver. Pense à tes sœurs. Pense à tes amis de la Résistance. Ils sont là pour toi. Ils te recherchent. Qu'ils viennent. Je les exterminerai tous. Personne ne se mettra en travers de Zegrod. Tu n'es pas une meurtrière, Zera. C'est trop tard. Tu pourras répondre de tes péchés. Je le sais, je crois en toi. Et tu penses que ça changerait quelque chose ? Zegrod est invincible. Personne ne pourra l'arrêter. Il y a toujours des solutions. Les sorcières Liwa peuvent le vaincre. Nous le faisons depuis des millénaires. Nous ne sommes plus qu'une centaine de par le monde. Ce ne sera jamais suffisant. Ne perds pas espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je me range du côté qui va gagner. Si tu n'as plus rien à dire, tu peux retourner dans mon esprit et redevenir le pouvoir magique qui me revient. Te voir m'énerve. Tu ne resteras pas sous son contrôle indéfiniment. Je le sais. Mais fais attention à toi en attendant. Ne dévie pas du chemin que tu es censé arpenter. Peu importe. Zera ! Ah bah tiens ! Qui voilà ! Le chef de la Résistance en personne ! Comment ça va, mon grand ? Ça faisait longtemps. Zera, ça suffit. Arrête ce carnage. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus rien pour toi. Qu'est-ce que j'entends ? Tu comptes me sauver ? Ne me fais pas rire. Je sais qu'il reste du bon en toi, Zera. Les sorcières Liwa ne sont pas mauvaises. Votre raison d'exister est de protéger l'univers. Ça se voit que t'es corrompu. Laisse-nous te ramener à la raison. À la ferme. Vos discours me révulsent. Si tu n'as rien d'autre à faire, je vais te tuer. Comme ça, on n'en parle plus de cette résistance. Bon, bah si tu prends comme ça, pas le choix. On va t'arrêter par la force. On ? Frangine ! Nous sommes là, Frangine. Nous allons t'aider à retrouver la raison. Et le cas échéant, te mettre une bonne raclée. Je vois. Tu as ramené la cavalerie. Non, elles sont venues par elles-mêmes. N'oublie pas que vous êtes toutes connectées. Demetora m'a simplement tenu informé de ta localisation, et me voilà. Très bien. Si même mes sœurs veulent rester collées aux humains, je vais devoir m'occuper de vous tous. En même temps.